Video provided by Yabla. Learn a language with authentic video content. Visit us online at yabla.com or search the App Store for Yabla. Our full-featured video player is designed specifically for language learners and includes dual language subtitles, integrated dictionaries, slow play, caption-by-caption navigation, and more. Bonjour, donc Bertrand Barredoux, je suis le directeur de la galerie Espace Salandre et je vais vous présenter ici, donc dans l'espace qu'on appelle le château de l'Espace Salandre, qui est après notre cour intérieure, une exposition d'un jeune artiste qui vit et travaille à Paris qui s'appelle Lucien Murat, qui fait un travail de peinture, vous verrez, assez explosif, très figuratif, avec beaucoup de matière, puisqu'il y a du canevas, il y a ce qu'il appelle des patchs, de la tenture, du tissu, de la peinture vraiment aussi, des collages. C'est vraiment une atmosphère assez originale, un travail très nouveau et une façon de revisiter la peinture contemporaine avec, en partant du passé, puisque les canevas qu'il utilise sont chinés dans des brocantes ou des antiquaires, et ensuite il les monte et il s'en sert comme fond, donc le passé, pour parler d'extrême contemporain, très moderne. Comme vous verrez, c'est un travail qui vraiment est très important sur les matières, parce que c'est pas de la toile, il peint pas sur la toile directement, il peint sur des canevas, donc qui sont déjà de la tapisserie. Donc c'est de la tapisserie qu'il récupère, sur lequel il peint, et sur certaines même, il refait des empiècements en tissu, sur lesquels il repeint, donc il fait fabriquer, ou il travaille avec des ateliers pour faire des empiècements en tissu avec du molletonné, vous verrez sur les images, il y a vraiment des grosses épaisseurs, d'ailleurs l'artiste engage les gens à toucher. Vous pourrez pas le voir par la caméra, mais je suis sûr que les images qu'on vous fera vous permettront de voir en détail, là vraiment les épaisseurs, les drapés qu'on peut trouver sur les peintures. Vous verrez la toute dernière qui est sur un fond complètement noir, elle est entièrement tissée et c'est du jacquard. Alors le jacquard c'est une pratique de tissage très spécifique, vous verrez il y a beaucoup de pixels dans la peinture et du coup le jacquard c'est fait en petits carrés qui se mettent les uns derrière les autres. Donc c'est du petit carré pour montrer du pixel en peinture, enfin en fausse peinture fait sur du tissage. Vraiment les matières sont très importantes dans cette œuvre. Yabla. If you enjoyed this video, you will love the full-featured Yabla video player. Find us in the App Store by searching for Yabla, or visit getyabla.com for special offers for podcast viewers.